Franchement, Schalke, c'est un très grand club avec une très grande ferveur. J'ai pu ressentir ça dès mon arrivée. C'est un très grand club ici en Allemagne, très réputé, surtout pour ses supporters, pour les trophées qu'ils ont pu gagner aussi. Et franchement, j'ai été très bien accueilli par les supporters, par les joueurs. Franchement, je me sens très bien ici, comme chez moi, comme si j'ai toujours été là, quoi. Ce qui me réjouit le plus, c'est d'abord de jouer au football. Oui, jouer au football, intégrer un grand club de prestige comme celui de Schalke, ça me réjouit encore plus et puis faire ce que j'aime le plus, jouer au foot, quoi. Ce qui m'a le plus surpris en Allemagne, c'est l'engouement qu'il y a autour du football. C'est vraiment très très fort. C'est les gens ici vivent le football, c'est vraiment incroyable, incroyable, surtout ici à Schalke. Dans ce club, on sent qu'il y a une histoire, il y a une histoire derrière tout ça. Et dans chaque endroit où on va dans la ville, on peut le voir dans des cafés, dans des restaurants, Schalke, 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 de partout. Donc, ouais, c'est choquant, ça me choque. Générosité, joie de vivre. Et plaisir. Le FC Drouet. C'est Le Drouet, FC Drouet. c'est où? C'est en région centre. C'est le club de mes débuts où j'ai commencé à 6 ans. À 6 ans, À à l'âge 6 de ans. 6 C'est ça exactement. Donc ans. Est-ce que... ça se situe dans l'Eure-et-Loir. Dans l'Eure-et-Loir, plus précisément dans le 28. Donc, c'est là-bas où j'ai pu porter mon premier. Wow, après, j'en avais beaucoup, mais Varane, Raphaël Varane. Oh, j'ai pas vraiment de mots. Pas encore. Pas encore, j'ai juste dire Guten Tag. Je regarde le handball, le rugby, je regarde vraiment, vraiment tout, quoi. J'ai pas de sport précis que je regarde vraiment, vraiment, vraiment. Je regarde un peu de tout. Munich, Berlin. Ça, c'est déjà bien. De ville à visiter. Ajoute encore à ta liste Hambourg. 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 Moi? J'y penserai. Faire rire les gens. Se réveiller tôt. Alors, au petit déj, je prends des œufs avec un peu de saumon, de la mozzarella, tomate et une bouteille d'eau pétillante et bouteille d'eau normale. Instagram. Mon objectif, engendrer un maximum de matchs en Bundesliga et puis prendre de l'expérience parce que je suis un jeune joueur encore, j'ai l'avenir devant moi. Donc engendrer un maximum de matchs et en espérant qu'on fasse une très bonne saison avec Schalke.